j'en ai besoin à un moment. Non, un accès militaire est bien. Tout à fait d'accord. Et, comme toujours, le petit retour Windows, parce que si... Non, c'est pas drôle. Hop. Toi, déplace-toi ici. Toi, déplace-toi là. Toi, ici. Toi, là. Et toi, là. Et puis toi, ici. Fusion. Fusion. Hop. Et fusion. Alors... L'exploitation par les classes dirigeantes. Le socialisme sera notre avenir, etc. Ah ouf. Ah, ça pique. Bon, je peux pas subventionner à mort des trucs pour que ça fasse pareil chez moi. Ma bateau à vapeur en fer. J'attends 1900 pour pouvoir construire des tanks. Et retourner chercher l'Alsace-Lorraine. Parce que non, je ne l'ai toujours pas digéré. Hop. Nourrissons les défavorisés locaux. Donc lui... Ah bah parfait, étalon or. Ça augmente encore l'efficacité de mon administration qui est déjà à 100%, mais c'est pas grave. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Est-ce qu'on pourra faire des réformes dans un horizon proche? Non. Encore moins. Humilié, j'en ai pas envie. Chambre haute réorganisée. On a perdu des socialistes. C'est plus ou moins catastrophique. Mais la condition des ouvriers. C'est bien, ma population n'est pas franchement représentée. Quoi. 50% de socialistes, 50% de conservateurs. Et la chambre est à 50%, 25%. Pourtant, c'est un scrutin universel direct. Donc en théorie, ça devrait pouvoir le faire. Idéologie des électeurs, idéologie de la population. C'est à peu près exactement pareil. Ah oui, quand même. Mouvement pour un salaire minimum. Il commence à envoyer sévère. Augmentons l'efficacité des usines. Et après, on augmentera les renforts. Doctrine standard des reines. Concours des grands bâtiments. Parfait. Chasseur de voies maritimes. C'est parfaitement parfait. Tant que je gagne de l'argent, c'est parfait. C'est aussi ça. Loi antitrust, efficacité fiscale plus 1. Dis donc, je vais gagner des fortunes au niveau fiscal si ça continue. Je suis quand même à 30% d'imposition effective. Hein. C'est... Ça commence à envoyer sympa. Raffinerie de carburant. Carburant parfait. Technique de laminage électrique. Sauf que je n'ai toujours pas inventé de l'électricité, mais c'est pas grave. Là-dessus, il y a un petit problème. C'est pas excessivement cohérent. Mais bon. C'est drôle. Hop, agrandir. Oh, quelle tristesse, drame national. Il y a encore quelqu'un qui s'est mangé une benne pleine de charbon dans la face. Ça devient une habitude. Mais c'est les risques de miner. Enrichissement des sols en carbone. Agrandir. Agrandir. En fait, même si je veux ne pas forcément être... trop militariste, je remarque que j'ai quand même une énormissime tendance à faire des choses extrêmement militaires et à beaucoup développer le militaire du coup. Donc ok, ici on est rendu à cette ligne là, ici on est rendu à cette ligne là, ici aussi. Donc après on va sûrement
faire de l'historicite ou de l'électricité ou de la chaîne de montage. Plutôt de la chaîne de montage, tiens. Carrément du moteur à combustion interne. Parce que maintenant que j'ai inventé le carburant, je peux inventer le moteur et qui utilise le carburant. Est-ce que c'est toujours mieux? Donc ça monte, j'ai inventé le cuirassé. Donc c'est très bien. C'est très très bien, on va encore accélérer un petit peu tout ça histoire de rechercher plus vite. J'ai une fortune. Alors d'accord, on baisse la vitesse un petit peu. On va inventer le moteur à combustion interne, ça va prendre assez longtemps parce qu'il faut quand même 15 000 points de recherche pour le trouver, mais en même temps je fais quand même énormément de points de recherche. Notre ambassadeur en pose une grande puissance pour exprimer la frustration par la réponse, l'absence de réponse lorsqu'il tente de continuer d'extradition bilatérale avec le pays, blablabla. Voilà. On va gagner un petit peu de prestige dans tout ça. Ah, c'est dur. C'est dur. Parce que j'ai beaucoup plus de puissance de prestige. Par contre, il m'explose sur la puissance industrielle et l'armée. Et le Royaume-Uni, par contre, au niveau prestige, c'est même plus la peine d'y penser, hein. Hop, l'Empire russe. Est-ce que la Prusse, ça existe encore ou ça a changé de nom? La Prusse, ça existe encore. Hop. Allez. Améliore les relations avec la Prusse. J'ai inventé la pointeuse, le tueur de navires rapides, la réglementation bancaire. Donc voilà, plus j'ai. Maintenant, si j'arrive à devenir copain avec la Prusse, on va voir ce que ça va donner. Déjà une autosave. Hop. Donc ça, c'est très bien. Culture française, conservateur, socialiste. La Bretagne est ultra conservatrice. Fusion! Ouais, c'est quand même bien séparé, hein. Donc, j'ai 100 points de répression, mais je n'ai pas envie de les utiliser. Ouais, j'aimerais bien me libérer des bonapartistes quand même à un moment. Nation libérable, non, j'ai toujours pas envie de le faire. Hop. Bon, il se trouve ce moteur à combustion interne. Tra la 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 la, mais c'est pas possible. Saleté de Suisse. J'ai trouvé le moteur à combustion interne. Balance la chaîne de montage. Non, tout ça, on va les faire de la politique étrangère. Donc, améliorer les relations. Voilà. Et c'est bien, le socialisme monte un petit peu. Certes, très peu, mais il monte un petit peu. Les guerres, l'Argentine versus le Chili. C'est un peu faible. Les États-Unis me sont passés devant. Saleté d'États-Unis. Il va falloir que j'augmente ma puissance industrielle de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça devrait le faire parce que j'ai quand même pas mal d'usines qui sont presque fabriquées. Enfin, pas fabriquées. Ah, n'importe quoi. Qui sont presque construites. Donc ça, les forts se sont construits, ça c'est très bien. Mind-toi de trouver ma chaîne de montage. Oh, c'est dommage, encore un drame national. Toi, amène-toi ici. Alors, continuité des ordres, parfait, 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 parfait. Dans 9 ans, je peux construire des tanks.
Le statut légal. Un membre très connu, très respectif, un éditorial. Défendu l'embauche des femmes dans le monde de travail usine, soulignant notamment que le fait de leur intégration et leur protection légale ne faisait que contre. Est-ce que je veux gagner du prestige? Non, parce que le statut légal de la femme, c'est quand même bien. Je suis en train de gagner des fortunes. On va baisser un tout petit peu les impôts. Un cas de fraude électorale. Les libéraux ont gagné à la régulière. Voilà, donc j'ai légèrement baissé les impôts de mes gens. D'accord. Je m'en fous. Excusez-moi. Combien d'aller à 100%? Pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on peut jouer avec Holstein? Tous. Autosave. Bou machin truc. Ah bah non, ils ont trouvé chaîne de montage, donc ça c'est très bien. Alors qu'est-ce qui reste? Allez, balance. Ça on pourra trouver tout ça et ça fait du prestige. Et trouver du prestige, c'est bien. Voilà, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Les factions rebelles s'organisent entre pays. Rien à faire du tout. Niveau puissance. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, je regardais l'Autriche. Ouh, fou, 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 fou. C'est vrai qu'il faudrait que je m'occupe aussi de mes colonies. Qu'est-ce qu'ils veulent de l'interventionnisme? Bah, je vais leur donner de l'interventionnisme. Non, ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir un maximum. Ça, c'est à moi, ça. Libre-échange, libre-échange. Il n'y a pas à moi. Ça, c'est à moi. Alors, il doit y avoir des trucs à moi dans le tas. Libre-échange. Découverte majeure. Cayenne, c'est à moi, effectivement. Pacifisme. Je sais même plus où sont les bouts qui sont à moi dans les pays. Ça, c'est à moi? Non. Chambre haute réorganisée. D'accord. La fille de Nantes, c'est dommage. J'ai inventé le tracteur. La guerre n'est pas une fin en elle-même. Ça, c'est à qui? Hop, envoie. Invente l'électricité. La guerre est un mal qui doit être retiré. Parfait. Ça, est-ce que c'est à moi? Non. Non, bah la Corée, c'est pas à moi, forcément. L'Empire russe, c'est pas à moi non plus. Allez, balance la pleine citoyenneté. Voilà. Donc, du coup. La guerre est un mal qui doit être évité. Les militaires, c'est pas bien. Ah, bah je peux faire de la réforme, tiens. Baisser un petit peu la vitesse là parce qu'il y a trop de trucs. Bonapartiste, possibiliste, orléaniste, opportuniste. 75%. Non, bon salaire minimum, 5% de la population, 3% de la population, 0%, 5%, 0%, 17%, 0%. Nous avons un système de santé acceptable. Et les socialistes se sont fait squash d'une puissance. Alors. Jusqu'au 1er mai 1992.
avant de pouvoir éventuellement décréter une nouvelle réforme. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pas grand-chose, j'augmente mes puissances industrielles. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qu'on peut faire, c'est déjà ne pas se planter d'endroit. Hop. Là, il y a 5000 sans emploi, il y a du chemin de fer. Il est nécessaire 10 000. Pas assez d'ouvriers. Ouvre en usine. Donc, est-ce que je peux pas les classer plus ou moins suivant la puissance industrielle? Ouvre. Pas franchement, il y a personne. Le Texas, il y a grave personne. Francfort, il y a personne. Le Venezuela, il y a quasi 10 000 ouvriers. Ah, je ne peux pas créer une aciérie. Est-ce que c'est une aciérie qui vient de fermer, ça, c'est ça? C'est une cimenterie qui a fermé. Parfait, une exploitation vinicole. Une scierie, un truc. Alors, une usine de pièces mécaniques. Un chantier de bateaux à vapeur. Un atelier de monde. Une fabrique de meubles. On va créer une fabrique de meubles ici. On va voir ce que ça va donner. Au pire, ça m'aura coûté un petit peu d'argent. Venezuela, je viens de le faire. Oldenburg, y'a personne. Orange, y'a personne. En Uruguay, y'a personne. En Grèce, y'a personne. En Mongolie, y'a personne. En plus, je suis même pas ami avec eux. On va aller que chez les gens chez qui on est ami. Portugal, on est potes. Là, y'a 6000 ouvriers ici. Donc, on peut se tenter. Une usine d'habillement. On va se tenter ça. Donc ensuite, avec qui je suis pote? L'Empire Ottoman. Ils ont 6000 ici. Vas-y, ouvre la distillerie. On va bien voir ce que ça va donner. Comme ça, j'ai un peu augmenté ma puissance industrielle, il me semble. Hop. Et j'invente l'électricité, parce que ça, c'est trop cool. Une fois que j'ai inventé l'électricité, j'ai inventé des machins sur le commerce. Oh là. Alors. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Là. Quand même pas mal cher. Zut. Bon, bah l'Espagne, tu vas me coûter une fortune, saloperie de pays. Bon, en même temps, c'est pas grand-chose. C'est vrai que j'ai quand même 4 millions et demi, mais... Quand même 3 millions 5 qui me doivent, hein, c'est... C'est saleté. C'est important... Ah oui, quand même, ils investissent méchamment bien. Non, c'est pas des millions, c'est des milliers. Oui, 3,5... Bon, c'est rien. C'est rien du tout. Taux d'imposition effectif, 31%, 31%, 30%... On va arriver au 33% du 20e siècle, hein, bientôt. Eh bien, c'est perfect, tout ça. Hop, donc, on va faire de la banque centrale, comme ça, ça va apporter encore plus d'argent. L'efficacité efficace et...
Eh bien, c'est parfait. Hop, invente-moi la banque centrale. Puis après, on ira inventer des trucs du biologisme et des machins comme ça. Ah, ça, j'aurais dû le faire, puisqu'il y a efficacité éducatrice. C'est quand même cool. De toute manière, la banque centrale va se faire rechercher quand même assez vite. Moi, j'aimerais bien quand même. Ah bah j'ai découvert le Fordisme en France. Qui m'augmente le rendement de production de mes avions. Oui. Je n'ai toujours pas comment découvert comment faire pour créer des avions, mais c'est parfait, efficacité minière. Alors, nous avons des socialistes qui sont arrivés. Notre chef militaire est mort, je m'en fous. Tourelle blindée. Je pense que bientôt je vais pouvoir reprendre l'Alsace-Lorraine. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc on va attaquer.